Allons vers l'image, un peu de courage, il ne nous en reste plus qu'une. Pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre ses soutiens. Renoncez, Bernie, ce n'est pas bien de tricher. Deux jours à attendre et je ramasse le paquet. Lucas, je peux savoir ce que tu sais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie, je t'en prie! Je veux pas! Qu'est-ce qui se passe, enfin? Le splash qui dort est maudit! Lucas l'a pu me sauver la vie! Et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable! Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant une semaine! Mais j'en ai besoin pour lundi! Oh, Lucas! Je veux un splash qui dort! J'en ai plus cassé de tes caprices, jeune fille! C'est vous qui m'avez forcé à agir ainsi! Tu m'as mis dans l'embarras! Tu m'as mise dans l'embarras! J'ai suivi le protocole! Tu n'as pas conscience de tes actes! Vous n'essayez même pas de faire preuve! Le village sera à feu et à sang si cela n'est pas réglé! Acceptez de m'écouter! Je suis la reine! Alors c'est à toi de m'écouter! Non, ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste? Vous n'êtes jamais là pour moi! Ce fameux mariage, c'est ce que vous souhaitez! Vous demandez-vous ce que moi je souhaite? Non! Passez votre temps à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Vous tenez absolument à ce que je sois comme vous. Eh bien, je vous le dis, je ne serai jamais comme vous. Oh, tu te comportes comme une enfant. Et vous, vous êtes un monstre. Voilà ce que vous êtes. Oh, Mérida. Je ne serai jamais comme vous. Non, ne fais pas ça. Plutôt mourir que de vivre comme vous. Mérida, tu es une princesse. Et j'attends que tu te comportes en princesse. Mérida! Mérida!